dark side. I wanna be your left hand man. Pas parlé depuis ce matin, mais j'étais avec mon père. Il est 11h45, ça, j'avais rendez-vous à 10h15 pour mes ongles à une nouvelle place parce que Audrey qui me fait les ongles, elle a décidé qu'elle ne faisait plus d'ongles, donc j'ai trouvé un autre emploi. Fait que j'ai trouvé quelqu'un d'autre que je suivais sur Instagram. J'ai pris un rendez-vous, puis c'est ça, je suis vraiment contente. J'ai montré tantôt mes ongles, puis c'était super rapide pour avoir une pause. Avec les ongles et tout ça, là, c'est une heure. Fait que moi, j'aime ça quand c'est rapide, là. Fait que après, j'ai été avec mon père à un marché. C'est ça. Puis, une fruiterie. Ouais, une fruiterie. Puis j'ai acheté des fruits parce que ben là, on est mardi. Puis je pense qu'on n'ira pas au Costco avant dimanche. Fait que. C'est ça. Là, la différence, là, quand on fait les ongles, dans le fond, j'ai acheté. L'acétone, j'ai 500 ml avec le pot comme ça, là, avec la petite affaire là, à l'intérieur pour enlever les ongles. Fait qu'avant mon prochain rendez-vous, j'enlève mes ongles moi d'avance chez moi. On peut le faire encore là-bas, sauf que ben, c'est plus cher, puis c'est parce qu'ils peuvent pas avoir deux clients en même temps, un qui fait ça, mettons. Puis, mais moi j'aime mieux de toute façon faire à la maison parce que ça va être plus rapide. Bonne journée. C'est une bonne journée. Puis il est venu me porter, comme ça les enfants sont restés à la maison avec Anthony. Et c'est sa journée de congé. La petite épicerie que j'ai faite, ça a coûté 59$. Je trouve que très bien pour ce que j'ai. Deux paquets de carottes, trois paquets de mûres, quatre paquets de fraises, quatre paquets de framboises, des bananes, trois concombres. C'est vraiment gros. Ce soir, ben dans le fond, la sœur Anthony elle s'en vient avec ses fils, fait qu'on va faire des pâtes. J'ai quatre paquets de spaghettis. Trois paquets de spaghettis, oui. Trois penne, oui. Les cannes, oui. Oui. Trois mangues. Puis un melon d'eau qui avait l'air super bon. Aujourd'hui, 12h43, je viens de coucher Amanda. Je me suis rechangée. Parce que on va jouer dehors. Fait que si les enfants. Moi, dans le fond, j'ai mis un top de. Puis là, je viens de mettre mon protecteur sans les pêches. Mais non, parce qu'il faut les gonfler. Et que sans la pêche, ça sent tellement bon, là, pour vrai. Mais moi, j'ai pas dîné. Fait que je vais dîner. Les enfants, ils ont mangé pendant mon repas. Je n'ai pas revenu là-dessus. Et hier, c'était ma première journée de travail. Ça a super bien été, comme si j'étais jamais partie pour vrai. Donc, j'étais quand même partie un an et demi, mais vraiment ça a bien été, j'étais contente. Je me sentais utile. tu sais, pas qu'à la maison je me sens pas utile, là, mais c'est comme je me sentais utile autrement. Donc, j'ai vraiment... j'ai aimé ma journée, là. Attendez. Que c'est ça, c'était une super une belle journée, ça a passé très vite. J'ai fini à 4h50 peut-être, fait que là quand on est arrivé, ça ne tentait pas de cuisiner, fait qu'on a acheté du chinois. Fait que là, ça c'est quelque chose que quand que je vais travailler, le jour où je vais travailler, il faudra planifier quelque chose genre de déjà préparé, style mijoteuse ou je sais pas quoi, parce que c'est pas vrai qu'on va acheter du resto à chaque fois. Mais là, en plus, mon père, tu sais, il gardait. Fait que, on m'a emporté du chinois, qu'on l'a invité à souper. Mais, c'est ça, je m'étais levée à comme 6h05, qui est comme plus tôt que toujours, depuis un an et demi, parce que mon père était quand même tard. Mais, j'étais pas fatiguée, pareil. Mais, à la fin de ma journée, genre, mon dernier patient, là, mes yeux me brûlaient, là. Vraiment, vraiment. Fait que j'ai hâte d'avoir mes lunettes. Je crois que ça va m'aider pour ça. En tout cas, supposé. Fait que c'est ça, là je vais manger, j'ai vraiment faim, puis on va passer l'après-midi à dehors. J'ai mangé, puis là, peut-être que je peux vous déposer, non. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que
C'est ça, j'ai passé une belle journée. Puis, qu'est-ce qui m'inquiétait? Ben, j'ai pas pu le faire encore, là. En fait, c'est plus de faire des nettoyages de tout le matériel qu'il faut avoir. Tu sais, moi, je suis habituée de travailler avec un masque. Fait que pour moi, porter un masque, c'est pas nouveau, là. Mais c'est porter le NK95, le masque. Les lunettes, la visière, le kit par-dessus nous quand que c'est ça, on fait un nettoyage avec des aérosols. Donc dès qu'on utilise des tartares ultrasoniques, qui est genre mon meilleur ami, j'utilise tout le temps ça. Presque. Mais j'ai pas eu de patients. J'ai juste fait des patients d'orthodontie hier ou urgence. Fait que tu sais, je peux pas vous dire. J'en fais pas encore. C'est ça, c'est juste ça. Parce que juste avec un masque qui fait chaud. Là, fait que, c'est ça. C'est juste ça qui me. Bon, ça va être compliqué. En tout cas. Puis c'est ça. C'est vraiment juste ça. Mais même à ça, aucune hygiéniste a commencé les nettoyages encore à ma clinique. On fait comme les autres patients. Les nettoyages, ça commence, je pense, tranquillement. La semaine prochaine, ça va commencer. Là. Mais c'est ça que je vais vous dire. Je pense qu'elle est prête à aller se baigner. Non, Mona! S'en vas-tu dehors? Dehors, oui. Dehors? Dehors, oui. C'est parce que les enfants mouillent. On y va? Tu veux pas rentrer comme ça? Hey, le Tana! Tana, toi! Il a tout mouillé mon coussin. Oui, oui, oui. Regarde ça. Maman. Il est en train de manger des popsicles. Oh, je vais vous montrer les plats coquettes qu'on a pris cette semaine. Donc, crevettes à l'érable. On l'a déjà pris. Je trouvais ça super bon. D'ailleurs, c'est le plat que Amanda a réagi. Ben elle avait mangé du kiwi après, mais en tout cas, on lui a tout redonné, c'est pareil, puis elle était correcte, mais en tout cas, on verra. Bol de poulet à la grecque, c'est avec du quinoa, c'est super bon, on l'avait déjà pris. J'ai pris saumon en papillote à l'asiatique. Puis le grillé sur une plaque, ça aussi, on l'avait déjà pris. Ça c'est bien long. Pourquoi t'es parti ta machine? Puis on a pris le bœuf bourguignon. Regarde, Anthony est parti. Pourquoi t'es parti ta machine? Pour oxygéner un peu l'eau. Là. Il rien, il arrête pas de rembarquer dans le courant. Maman. T'as vu? Ouais. Oh mon dieu. C'est pas bon pour lui? Hein? C'est pas bon pour lui? Maman! Quoi? C'est ça, si ça fait ça toute la journée, c'est pas bon, mais. Quoi? Tu veux quoi? Pourquoi? Non, c'est quoi tu veux? Enlever le flotteur! Ben oui! On enlève le flotteur. Voilà, ça traîne, mais Anthony a fait une sauce à spaghetti là-dedans, puis ça me tendait de faire des petits pains à l'ail, fait que j'ai sorti ceux-là qu'on avait du Costco, je les ai fait cuire, puis je vais les couper, mais je vais faire mon beurre à l'ail là, avec de l'ail puis du beurre. Puis je pense que je vais les faire gratiner. Faire le spaghetti, oui? J'ai compris, moi je pense. Parce que les gars, c'est prêt, il a dit, mais je mange. Ah, ouais. Oh, je filmerai pas, ils sont en train de manger. Tout bizarre, je peux te donner les maintenant. Ah, je vais regarder. Ouais. Les petits pains gravés. 7h30. Les enfants sont en train de jouer dehors. Tout dans la piscine. Et ça me. Mais je vais remettre leur maillot mouillé, là. Ok. Là, il y a Marie qui veut mettre son flotteur et jouer dans la piscine. Amanda est là, en pyjama. Je mets les petites lumières. Là, vous filmerez pas. Tada! Tana! T'es belle! Dis un petit des bisous! Oh oh, non, non! Ça, c'est un Manolo! Ça va être bon! Maman, regarde un moustiquaire! Ah, oh, tu trouves ça ressemble à un smoothie aux fraises, hein? C'est vrai, ça s'appelle comment ça? Un smoothie fraise! Maman! Maman! Pourquoi la coupe? Un bubble tea! Regardez, oups! Regardez ça! Maman! Oh! Maman! Quoi? C'est dans ma bouche! Une surprise?
Ça s'appelle un bubble tea. Bubble tea. Le bubble tea. Le bubble tea. Le bubble tea. Bubble tea. Le bubble tea. Un bubble tea. Oui, dedans, il y a une surprise. Mais moi, j'ai déjà goûté. Non, mais good, good. Pas bon beaucoup. Bon dedans, il y a une surprise, ça va. Il y a des bulles dedans. Encore? Moi, ouais. Mm-hmm. Maverick, il y avait des bulles dedans. Hein. Bon. Allô, tout le monde. Oh, on va se coucher dans le lit pour vous parler. Il est genre 10h, peut-être et demi, parce que je suis vraiment fatiguée. J'ai ramassé beaucoup là, depuis ce que je vous ai montré, c'était tellement le bordel, mais j'ai pas tout ramassé. Je vais aller me laver et après je vais venir te ramasser parce que j'haïs pour mourir de me lever avec une cuisine sale. Genre, ça me démoralise pour toute la journée. C'est niaiseux, mais c'est le même. Et là, je viens de montrer ça sur Instagram. J'ai essayé cette robe-là que j'avais achetée quand j'avais perdu beaucoup de poids. Là. C'était cet été-là. On avait fait shooter une photo de famille à Maison Lavande. Dans le fond, on avait juste. J'étais des Mavericks. Puis cette robe-là en jeans, c'est une small. Puis c'est un zip derrière, fait qu'il était possible d'oublier ça, je l'ai même pas essayé. Puis là, je l'ai laissé pour la première fois, puis je rentre dedans, je suis capable de l'attacher au complet, le zip. Sauf que à mes seins, c'est comme, c'est serré le contour des seins, genre. Donc c'est comme plus gros. Mais tu sais, c'est correct, c'est juste comme légèrement inconfortable. Fait que c'est ça, je suis vraiment contente de rentrer dedans, au niveau du ventre, tout ça, c'est pas trop serré. La taille, je sais pas si vous comprenez quelque chose. En tout cas, fait que je suis super contente parce que je m'étais dit, dans le fond, j'ai réservé une séance photo avec Mélissa qui a pris genre plein de nos photos, là, comme toute notre famille, c'est elle qui les a pris pratiquement. Là, je pense un photoshoot que c'était pas elle, fait que c'était pratiquement tout elle. Genre, attends, elle fait des super belles photos, puis je connais plein de monde qui ont été la voir. Ma coiffeuse, elle a été la voir. C'est ça, il y a plein de monde que je connais qui ont été la voir. Puis elle prend toutes leurs photos. je lui ai des nouvelles photos de famille parce que ça date de Noël, nos photos, ça fait longtemps. Puis on s'entend, Amanda, elle a vraiment beaucoup changé. Les gars aussi, mais elle, c'est plus fragrante à cause de son âge. Fait que aujourd'hui elle a annoncé ses séances photo. Puis c'est bien drôle parce que là aujourd'hui ma belle-sœur était là, à Sœur Anthony. Puis elle parlait justement qu'elle avait contacté Mélissa. Là je dis ah moi aussi parce que j'avais écrit hier. Puis nous aussi les deux c'était pour la séance photo à Maison Lavande. Fait que dans le fond on va faire nos séances une après l'autre. Ça donne de même là, c'est quand même drôle. Puis c'est ça, je m'étais dit que je pourrais peut-être mettre cette robe là parce que je voulais mettre la robe en bas qui est comme blanche avec un petit ligné comme bleu qui ressemble à du jeans avec ses petits tulés bruns dans le fond que Fanny lui avait donné à sa fête. Puis j'ai donné, j'avais pris une chemise en jeans pâle pour que je pourrais y mettre ça avec, mettons, ses pantalons en lin Little Yogi. Maverick. Probablement ses pantalons en lin d'Little Yogi aussi, comme lui ses pêches. Sûrement avec un chandail blanc, je sais pas. Je veux pas. Je pense je veux pas acheter des choses parce qu'on en a vraiment beaucoup. Là. Fait que c'est ça. Puis, fait qu'on fitterait tout ensemble. Genre, si je mets ça, la robe en jean, ça sera vraiment parfait. Fait que, est-ce que ça se fait mettre une robe? La même robe qu'un autre photoshoot à la même place. Vous comprenez? Parce que c'est à la maison d'avant, l'autre fois je l'ai mis. Parce que je pense que ça suffit, là. Je vous demande ça de même. Fait que sur ce, je suis tellement contente de mes ongles. Ils sont vraiment comme la longueur que je voulais. Parce que je veux pas long, là. Moi, quand je travaille, ça c'est la longueur parfaite. Puis écoutez, okay. Quand j'ai travaillé hier avec mes pas d'ongles, j'avais de la misère à mettre, mettons, ma seringue R et O, là, t'sais, faut que tu pèses. Mais comme j'avais pas d'ongles, j'étais comme, j'avais fou de la misère, là, deux fois mon gant en pogné dedans.
Fait que j'ai comme dû tout recommencer, genre, parce qu'il a comme pété. Mais j'étais habituée d'avoir des ondes, là, au travail. C'est quand même drôle, là. Mais ça va mieux. fait que c'est ça. Je les aime vraiment, vraiment beaucoup. Puis là, j'ai été voir sur Instagram, c'est Onglerie MG, je pense. Fait que c'est ça. Je les aime vraiment beaucoup. Puis je la suivais déjà, dans le fond. Fait que j'ai pris quelqu'un que je suivais déjà. Et... c'est ça. Qui était comme proche. Fait que je suis vraiment contente. Ben, d'ailleurs, c'est ça. J'ai fixé mon rendez-vous. Mon prochain rendez-vous pour comme avant la séance, la semaine d'avant. Puis j'ai fixé mes cils aussi. Fait que c'est ça. Sur ce, je vous dis bonne nuit. Et à demain.